Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Rebond. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Attention à cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus tout simplement. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, si vous avez un songe ou vous êtes poursuivi par des chiens, priez beaucoup. Car c'est l'esprit des morts, l'esprit de mort qui est en train de vous combattre. Et ceux qui se transforment en chiens, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui font ça. Ils se transforment en chiens pour venir vous combattre dans votre rêve. Quand vous avez un tel rêve, dès que vous vous réveillez, priez comme ça. Dites, Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton sang sur moi pour me protéger, pour me purifier. Deuxièmement, dites encore, Seigneur Jésus-Christ, je te demande que tu viennes t'asseoir sur le trône de ma vie et tu guides mon esprit. Troisièmement, je demande à ce que toi-même tu viennes combattre tous ceux qui me combattent. Combat tous ceux qui me combattent, combat le vrai combat au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent ma mort, que toi-même tu te charges d'eux. Tu laisses ce combat automatiquement entre les mains de Dieu. Toi ne fais pas ton combat. C'est Dieu qui va te défendre contre tous ceux qui en veulent en ta vie, à ta vie, qui te visitent en songe tous les jours. Tous les jours quand tu dors, tu fais le même rêve. Les chiens te poursuivent. Si ce n'est pas chien, c'est une autre chose. Il faut savoir qu'il y a l'esprit de mort qui est derrière. Et ce sont des sorciers qui font ça, qui cherchent à te tuer. Si tu fais également un songe où quelqu'un te poursuit avec un couteau, fais attention. C'est un membre de ta famille ou quelqu'un. En fait, ils ne sont pas loin. C'est quelqu'un qui est très proche de toi. Qui veut faire ça. Dieu va, si tu pries constamment, Dieu va te montrer le visage de la personne. Mais si tu vois le visage de la personne, ne combats pas la personne physiquement. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre les démons, les esprits. Quand ils viennent te combattre, ils ne viennent pas physiquement. Ils viennent dans ton rêve, dans ton songe. Alors toi, fais de même. Prie beaucoup, accroche-toi à Dieu et intéresse-toi aux choses qui sont de Dieu. Tu as compris? Intéresse-toi à tout ce qui est dans l'église. Et prie beaucoup. Avant de dormir, il faut prier. Fais la même prière. Au réveil, fais la même prière. Lis la parole de Dieu. Et je te conseille Éphésiens 6, verset 11. Ça va t'aider et te sauver de la main de ceux qui te pourchassent. Je compte sur toi pour t'abonner à cette vidéo. Activez également la cloche et ne manque pas la prochaine vidéo qui va sans doute t'intéresser. Waouh! Que Dieu te protège, qu'il nous garde tous contre tout ce que le diable et ses agents font chaque nuit contre nous. Merci beaucoup.